Bonjour à tout le monde, c'est moi le tonton de tous les enfants qu'on devant vous. En tout cas, je suis très content de vos messages. Je suis tellement content de vous voir toujours devant la caméra, me regarder devant votre écran, me regarder. En tout cas, ça me fait du bien. Moi aussi, je ne cesserai jamais d'être à côté de vous. Alors, la vidéo ici, c'est pour vous, mes neveux et mes nièces. Vous les enfants qui n'êtes pas encore mariés, qui ont suivi l'histoire de Nicky Menga à la loupe, alors je le dirai. Vous les enfants, surtout les filles là, avant de vous engager dans toutes sortes de relations, il faut bien réfléchir. Il faut tellement très bien réfléchir. Puisque la vie que vous aviez vu mener Nicky Menga pendant 17 ans dans une souffrance aiguë, que cela ne vous arrive pas dans votre vie. C'est pour cela qu'il y a toujours des leçons morales dans chaque histoire. Vous avez écouté l'histoire de Nicky Menga. Il faut attirer une leçon morale. Il faut voir les conséquences d'aimer un homme qui n'est pas sérieux, soit un homme qui est sérieux. Il faut toujours tirer les conséquences avant de vous engager dans quelque chose. Un homme viendra devant vous comme un ange. Il va vous donner des paroles douces, avec des paroles tendres, mais à la fin, il faut être prudent. La prudence exige, même si un homme venait devant toi, un mauvais garçon pourra venir devant toi comme un mouton. Si tu lui donnais même 6 mois avant de s'engager dans une relation, pendant 6 mois-là, il va vous donner des étincelles de la vraie personnalité, de sa vraie personnalité. Alors, il faut être tellement prudent. Fali est venu comme un saint, comme Jésus-Christ devant Nicky Menga. Il a bouleversé Nicky Menga, surtout avec des fétiches, avec des médicaments. Il faut être tellement prudent, vous les filles là qui cherchez garçons. Surtout les musiciens congolais, ils vont vous faire du mal. Tous les musiciens congolais que vous connaissez, qui viennent se chercher ici en France pour trouver des papiers, ils finissent toujours à jeter les femmes après les avoir des enfants. Il faut être prudent de vous, les filles, là. Les garçons, il faut vous regarder les garçons. Les garçons jaloux. Les garçons trop jaloux, là. Il faut être attention avec ces gens-là. Ce sont des gens qui peuvent même vous tuer dans votre maison, garçons jaloux. Il faut être prudent avec des garçons, là, qui sont bizarres, là. Un homme doit être jaloux. Pourquoi tu es jaloux si une fille avait un ami garçon? Ta copine a un ami garçon, tu es jaloux. Tu te fais jalousie, pourquoi? Tu l'as connu. Les garçons là, tu as connu, tu avais déjà des amis garçons. Tu pars à l'école, il y a des garçons à l'école. Tu travailles, des garçons au travail. Tu ne peux même pas faire des connaissances avec d'autres personnes. C'est le garçon qui sera jaloux de tes connaissances. Alors, de tels garçons ne sont pas bons. Je vous dis, moi, je suis votre tonton. Les garçons comme ça ne sont pas gentils. Des garçons qui contrôlent aussi les femmes. Les garçons contrôlèrent. Dans une relation, n'est même pas marié. C'est lui qui demande. Tu es parti où? Tu étais où? Pourquoi tu prends tout de temps? Celui-là, c'était qui? Qui t'appelle? Pourquoi tu as toujours au téléphone? De tels garçons qui manipulent, qui contrôlent les gens là. Ce ne sont pas des beaux, des vrais garçons. Alors, il faut être prudent. Il y a des garçons qui viendront devant toi comme ça. Mouton, comme un saint. Mais la façon dont il va te traiter, si tu ne tires pas attention pendant votre amitié là. Et si tu vois que non, tu es déjà grande, peut-être tu as déjà 25, 26 ans, tu veux seulement aller, tu veux seulement vivre avec quelqu'un, tu veux être dans une relation, tu veux te marier. La prudence exige. Mieux vaut vivre seul que vivre avec un mauvais garçon. Mieux vaut vivre seul avec que de vivre avec un mauvais garçon. Puisque même un célibataire va au paradis. Ce ne sont pas seulement les mariés qui vont au paradis. Même un célibataire va au paradis. Il ne faut pas te jeter dans une relation qui n'a pas d'avenir. Une relation de kleptomane, tu prends seulement, tu vas. Non, ça, ce n'est pas une bonne relation. Des garçons qui contrôlent, ce ne sont pas bons. Les garçons manipulateurs. Lui, quand il y a des situations, il veut toujours tourner la situation à sa faveur. De tels garçons-là, il faut les éviter. Il faut être prudent. Vous aviez vu ce que Nicky Menga a,
a eu pendant toute sa vie. Il c'est comme s'il a gâché toute sa vie à cause de Fally Ipupa. Niki a gâché presque toute sa vie. Si il a passé plus de 17 ans dans le calvaire, il a passé plus de 17 ans dans le confinement. Regardez-vous, il y a du soleil à l'extérieur, mais quelqu'un te cache dans une chambre. Tu veux aller comme ça, on te menace. Tu veux dire ceci, on te frappe. On te met dans une position où tu seras fâché, et puis c'est eux qui vont te montrer les doigts qui disent que toi tu te fâches vite. De tels garçons-là, il faut les éviter. Moi, je ne veux pas attaquer votre tonton. Moi, je suis garçon, je connais les garçons. Il y a des qualités de garçons. Il y a garçons et garçons. Les garçons comme Mike Kalamba, il a, ce ne sont pas des garçons à chercher. Il va t'amener et à la fin, il va te jeter. Il va t'utiliser, Les garçons qui sont calmes, là, ils vont vous utiliser. À la fin, ils ne vont pas vous marier. Ils vont vous laisser. Soit ils vont vous maltraiter jusqu'à ce que vous-même, vous allez fuir. Il n'est pas capable de vous dire de partir, mais facile va vous traiter. Facile va te maltraiter, toi-même, tu vas quitter la maison. Ce sont des garçons comme ça, là. Comme des Mike Alambay, des Fally, des hommes comme ça, là, ils ne sont pas des hommes même à essayer. Il faut lire les signes d'état, il faut voir ce que les filles comme Péniel, comme Karine ne connaît pas femme, ne connaît pas mari, la fille elle-ci, Niki Meng, il faut voir ce qu'elles ont eu des hommes. Ce sont des femmes qui ont été maltraitées. Ce sont pas des hommes qui n'ont pas l'empathie. Les hommes vulgaires. Les hommes qui n'ont pas de réflexion. Ils ont été menacés par des hommes qui n'ont même pas de sens. Aujourd'hui, c'est votre état. La situation pareille est venue, n'est pas apparue pour rien, n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour rien. C'est pour vous donner des leçons. C'est pour vous donner des enseignements. De telles histoires, c'est pour vous prévenir de ce qui pourra arriver dans votre vie. Si tu écoutes l'histoire ici, cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois tirer. Il y a une leçon que tu dois tirer dans cette histoire ici. Des garçons vulgaires sont nombreux, sont partout ces derniers temps. Il y a des garçons qui vont t'utiliser seulement quand ils te voient avec l'argent. C'est là où tu vas voir les garçons vont t'utiliser. Ils vont utiliser ton argent, ils vont manger ton argent jusqu'à ce que... Il va te dire que tu es en train d'investir dans votre relation. On n'investit pas dans une relation avec l'argent. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas écouter des paroles inutiles des hommes. Toi, la femme, tu dois te donner un prix. Tu es un prix. C'est un homme qui doit venir vraiment. Il doit subir des conséquences pour t'avoir. On a dit, c'est là l'homme qui va quitter son père et sa mère et va s'attacher à toi. Ce n'est pas à toi de quitter, c'est elle, c'est le monsieur qui doit quitter. Alors quand il doit quitter avec objectif. Il ne va pas quitter sa maison, sans objectif, sa projet, sa vision. Un homme sa vision est mort. Un homme sans objectif est un homme mort. Un homme sans plan, ce n'est pas un homme. Quand quelqu'un vient te chercher, toi la petite à qui je parle, quand un homme vient te chercher, il faut lui demander d'abord quels sont tes plans, quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs, des visions d'ici 10 ans. Qu'est-ce que toi tu proposes de faire? Qu'est-ce que tu veux que moi je t'aide avec? Puisque toi tu es une aide. S'il n'a pas de vision, tu vas l'aider avec quoi? S'il n'a pas de plan, de projet, tu vas l'aider avec quoi? Il faut bien lire les hommes qui viennent vous chercher. Il ne faut pas qu'ils viennent seulement là avec des chemises, avec des chaînettes. Ils vous montent une voiture, ils vous amènent dans un resto cher. Et puis tu te crois que tu as eu un homme. Il y a ce sont des escrocs. Ils veulent seulement t'influencer. Ce sont des influenceurs. Ils te montrent qu'il est capable. Mais en réalité, peut-être dans son compte bancaire, il n'a rien. Peut-être là, les difficultés même à gérer tout témoin. Il a des difficultés financières pour gérer tout témoin. Mais quand il te voit, il veut se montrer que c'est lui le messier. Alors il faut être prudent, vous les petites filles qui m'écoutent, il faut être prudent. Quand quelqu'un vient,
il faut que tu lui poses des questions. Tu dois avoir l'audace de te donner la valeur devant un homme. Tu n'es pas là seulement une personne qu'on doit manipuler, qu'on doit prendre, qu'on te fait comme si tu étais un objet. Non, on est au 21e siècle. Vous devez avoir, ton papa, tes parents ont dépassé de l'argent pour que tu ailles à l'école. Tes parents ont dépassé depuis que tu étais né jusqu'à l'âge de 20 ans, je ne sais pas. Mais puis, il y a un garçon qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de vision, qui va venir seulement te prendre comme ça et puis gâcher toute ta vie. Il faut être prudent, vous les femmes. Il faut prendre aujourd'hui les leçons morales de ce que Nicky Meng a subi dans sa vie. Un garçon, quand il vient te chercher, il faut lui poser des questions. Il faut être une femme qui va faire peur à un homme. Quand un garçon vient devant toi, il doit avoir peur de te perdre même. Pose-lui des questions. Pose-lui la question de savoir où est, puisqu'on dit dans le meilleur et le pire, où est le pire? Qui peut te définir ses pires et ses meilleurs? Toi, si tu définis tes pires et tes meilleurs, c'est là où tu sauras que le garçon est intelligent ou n'est pas intelligent. Puisqu'il y a beaucoup de garçons, vous allez demander quels seraient tes pires dans une relation. Il ne sera même pas commencer à tâtonner. Il va te dire des choses claires, des choses antiques, qu'il ne comprend même pas lui-même au moment présent. Pose le monsieur des questions. Quelles sont tes visions? Et les visions ne sont pas des choses de tête. Ce sont des choses qu'on écrit, des plans. Ce sont des choses qu'on écrit sur papier. Il doit écrire ça, ce sont des plans. Tu lui demandes pendant combien de temps? Demande au garçon, là, il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Puisque tu ne dois pas sortir, vous les femmes, là, il ne faut pas sortir avec qui que ce soit. Il faut sortir avec quelqu'un qui croit que tu vois qu'il est vraiment à ton niveau. Il faut vous donner de la valeur. Quelqu'un qui ne travaille pas, un vagabond, celui qui va venir, puisqu'il a de gros armes, et puis tu te jettes dans les bras de quelqu'un comme ça là. Il ne travaille pas, il vit seulement pour le bien-être social. C'est le monsieur que toi tu vas le prendre et il te dit que donner l'état en temps, c'est Dieu qui donne. Qui t'a dit que Dieu donne la manne aujourd'hui là? L'état de Moïse n'est pas l'état d'aujourd'hui. L'état de Moïse est déjà passé. Aujourd'hui, là, si tu ne vas pas te chercher, tu vas mourir affamé. Tu dois te chercher. Il y a des factures qu'on doit payer. Ce n'est pas seulement les blabouches, les paroles douces là, ne vont pas payer les factures. Il faut chercher un homme qui est capable, un homme qui a le sens d'être responsable. Il faut regarder loin dans votre relation, regarder loin. Un homme qui n'a pas de vision dans 10 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous faisiez par exemple l'amour et que tu tombais enceinte, qu'est-ce que le monsieur là doit faire? Il y a les hommes qui vont fuir et toi tu vas rester avec la femme comme ça. Alors il faut te préparer à conséquence avant d'ouvrir tes pieds là. Pose le monsieur des questions. Parle au monsieur qui sente que tu as des réflexions en toi. Ne sois pas une femme seulement facile. Ne sois pas une proie facile à manger. Non, ça ce n'est pas les femmes modernes. Il ne faut pas te jeter dans la main de quelqu'un puisque tu penses que tu es devenu âgé. Puisqu'on ne te drague pas, il y a un monsieur, le premier monsieur qui vient, tu te jettes dans ses mains. Il ne faut pas vivre de telle vie où vous risquez de regretter dans l'avenir. Alors moi, je suis votre tonton, je vous dis ce que je connais. Je suis un homme et je sais de quoi je parle. Un homme qui n'est pas responsable. Un homme, tu pourras me dire que comment tu seras s'il est responsable. Il ne faut pas vivre avec quelqu'un si tu n'as pas même fait des relations à distance même. Il vit chez lui, tu vis chez toi, vous faites d'abord amitié, tu connais la personne, tu sais ce qu'il fait dans la vie, c'est ça. Tu dois bien vraiment faire la recherche de la personne à qui tu veux mettre dans ta vie. Si tu amènes n'importe qui dans ta vie, on va détruire ta vie. Il faut choisir la personne avec qui tu vas vivre. Choisis la personne que tu vas amener dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a Google. Tu dois faire recherche. Mais comme la personne ne peut pas la faire avec Google, fais des recherches toi-même. Il vit où? C'est la famille de qui? Il faut regarder aussi la famille. Il vient de quelle famille? Il y a les gens où leur famille est maudite déjà. Mais toi, tu vas être jeté dans une telle famille. Toi aussi, ta vie sera gâchée en même temps. C'est pour cela que les gens qui ont gâté leur vie, il faut regarder.
Ils sont partis aveuglément dans des relations. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas posé des questions aux garçons. Ils ne se sont pas bien connus. Et à la fin, ce sont les hommes qui ont toujours eu l'état de fuir leur foyer. Et vous restez à la fin comme des femmes seules, des femmes divorcées, des femmes vulnérables. Alors, il faut éviter de tels pièges aujourd'hui. Quand je vous parle comme ça, je suis votre tonton. Abonne-toi, s'il te plaît. Partage la vidéo. Et il faut faire des commentaires. Si tu aimes la vidéo, il faut liker. Moi, je suis votre tonton. Quand je vous parle, je parle de connaissances de cause. Ce sont des révélations qui me viennent toujours. Parce que je suis ici pour éduquer. Et pas pour faire des bêtises. Je suis ici pour éduquer les gens. Alors, je vous laisse avec la petite vidéo ici. Réfléchissez pour sur ce que je vous ai dit. Faites des commentaires. Je viens avec une autre vidéo. À la prochaine. Alors, je vous aime trop. Je suis votre Muyomba. Et à la prochaine. À plus alors. Bye.